Oh! Mais frère, qu'est-ce qui passé? Papa, non, comment est-ce que... Eh bien, nous voyons. Ok. Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Mais, on va chercher le bébé, monsieur. Ça qui est, garçon? Ah! Comment bien? Tout le monde est très bien, grâce à Dieu. Très bien. Moi, je suis venu à côté là. Parce que tout le monde a parlé aux questions d'état de droit. Donc, moi, je suis venu à côté là pour faire mon clé sur la question d'état de droit. Qui ça, l'état de droit? Moi, je sais pas, mais non, c'est aussi la caille en Haïti. Donc, puis, nous devons parler de l'état de droit. Bon, pour mon explication qui est très simple, je dis que un pays qui a l'état de droit, son pays, côté tout bagage fait dans le pays, selon la loi. Son pays, côté droit, tout le monde respecté. C'est ça que vous dites, c'est la garantie et la protection des droits de tous les citoyens. Avec les droits de tous les citoyens, à tous les niveaux, respecté dans le pays. Et même au plus haut sommet de l'État, tout va être fait selon la loi. Toute autorité nette travaille selon la loi. Mais au niveau du gouvernement, tout est supprimé pour des mesures qui sont constitutionnelles. Et ça fait dire la puissance publique est soumise au droit. Et tout ça qu'a fait dans le pays, ça, si vous avez fait selon la loi, depuis ça fait comme ça, eh bien, il y a des droits dans le pays. Mais à la vérité, pour moi, puis clair avec vous, la loi pas dit rien, la loi pas défini la loi. Et ça fait, on va laisser aller dans la doctrine avec vous. Qui ça doctrine? Bon, doctrine, c'est les la loi pas dit rien. Son bagage, et bien, ou référé ou à l'opinion des grands juristes. Je dis là pour nous m'expliquer au pire bien ça qui est la loi, on va faire appel avec Hans Kelsen. Hans Kelsen, non? Monsieur son autrichien, monsieur. Et un pile monde considère monsieur comme le plus beau juriste qui était vivant pendant le 20e siècle. Et pour Hans Kelsen, pour payer un état de droit, il faut jouer 4 éléments. 4 éléments. 4 éléments, c'est le respect de la Constitution et des lois du pays. Ça, c'est première. Le respect de la Constitution et des lois du pays. Mais comme nous bien, ne nous parler de loi pays. Pas seulement ouais, les lois, les décrets lois, nous et tout la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, nous et tous les traités et les conventions internationales. Les traités et les conventions internationales. Donc, une fois que le pays signe la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, et bien signé aussi les traités et conventions internationales, et bien, instrument ça fait partie intégrante des lois internes pays. Donc, ça, c'est le début de la loi où tout bail dans tout. C'est ça que l'avocat va t'aider. Non seulement l'avocat va faire appel à la Constitution, l'avocat va parler également des lois, il parle des décrets, il parle des décrets lois, et puis il fait référence tout à la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, il fait référence tout au traité et convention internationale. Ah, c'est le premier élément. Deuxième élément. Deuxième élément, c'est égalité des citoyens devant la loi. Qui est égalité des citoyens devant la loi? Bon. Égalité des citoyens devant la loi, ça veut dire que tout citoyen est égal devant la loi. Ça veut dire que l'on citoyen allemand de justice, je suppose traiter tout le monde même gens. Pas les petits, pas les gros. C'est ça qui fait le plus souvent, ouais, il y a beaucoup plus de justice là, il y a beaucoup plus de justice là où on fuit, il gagne, j'ai demandé. J'ai demandé. C'est ça, ça signifie. J'ai demandé, et puis tout l'attendait. Il n'a pas besoin de tout le monde qui vient de vivre, il a besoin de couleur, il n'a pas besoin de hauteur, il n'a pas besoin de statut social. Seulement. Il n'a pas besoin de race ou nationalité ou. Rien. Seulement, il attendait et puis pour décider. Il a décidé en toute impartialité. Il va mettre en source ses autorités. Rien. Sans parti pris et sans force côté. C'est ça que l'égalité des citoyens devant la loi. Deuxième élément. Comment est le troisième élément? Troisième élément, qui c'est? Troisième élément, et c'est la séparation des la séparation des pouvoirs. Au troisième élément. La séparation des pouvoirs. Et vous changez oui ou changez pas ça? C'est le pouvoir exécutif. Nous t'ai parlé de pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. C'est trois pouvoirs ça. Mm-hmm. Législatif, exécutif et judiciaire. Mm-hmm. Donc, pouvoir et législatif à lui-même, il gagne et la Chambre des députés et puis il gagne le Sénat de la République. C'est deux institutions à eux. Donc, il formait le pouvoir législatif. Et puis, rapidement, on apprend le pouvoir exécutif là, il est donné, il est exercé par le président de la République et puis le premier ministre. Le premier ministre, yes, le chef gouvernement. C'est ça, exactement. Et troisièmement, aux jeunes,
et l'autre pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, qui est exercé par les cours, les tribunaux et les tribunaux spéciaux. Donc c'est ça, ça c'est le troisième élément, ça va vous donner à donner. Maman, comme grand élément, il manque qu'il y a maintenant l'indépendance des juges. L'indépendance des juges, ça veut dire que le juge, même il a décidé, il y a le tribunal, il y a pris justice, il fait en toute indépendance. Pas des gens qui vont dicter au grand monde, ils vont prendre l'ordre dans mes pièces. Donc, c'est ça qui est le quatrième élément. Depuis mon pays, il y a quatre éléments à eux. Le respect de la Constitution et des lois du pays, l'égalité des citoyens devant la loi, la séparation des pouvoirs, et puis l'indépendance des juges. Mais bien, nous avons dit que le pays a été donné à l'état de droit. Ça veut dire l'indépendance des juges. Là, maintenant, même le gouvernement n'a pas le droit de prendre l'ordre. Pièce-moi. On va faire pour le gouvernement pour les faire passer l'ordre. Pas de pièce. Donc, c'est ça. Il y a quatre éléments à l'état de droit. C'est ça. Vous êtes clair, Kounia? Je suis clair, Kounia. Mais dans le cas, est-ce qu'il y a Haïti qui a l'état de droit? Vous venez de dire. Vous venez de dire. Bon. Dans l'année 2022, ça. Est-ce que l'état de droit en Haïti? Est-ce que l'état de droit en Haïti? Mon cher, vous posez une belle question là. Mais ça prend un petit temps pour nous faire une analyse parce qu'il faut faire un état des lieux. Et pour nous garder Haïti, je veux dire, il faut nous garder ces quatre éléments en Haïti. Comme nous rendez-vous là quand même, nous ne pouvons pas parler de Kounia. Je pense que c'est ce que nous avons demandé du prochain. Oui, vendredi, mais si Dieu veut nous passer là. Parce que vendredi, après moi, on a parlé de ça, il y a des temps. Pour nous ouvrir quatre là, et puis pour nous faire vraiment état de lieu, pour nous garder est-ce qu'il y a un état de droit qui va être dit, bien évidemment. En 2022. Oui, bien. Vous pouvez vous promettre, avec plaisir. Vous avez fait, n'y a pas de temps. Vendredi prochain. Oui, vendredi prochain. Vendredi prochain, et il va faire des mots mieux pour nous avancer ensemble, pour nous former. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et bien, vous. Ok, salut. Envoyez-vous. Oui, là.